Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. S'il vous plaît. Moi, c'est M. Camara Al-Houssen. Je suis au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma. Profession? Je suis agent technique. Ouais. Bon, le président de la République va prononcer son discours du nouvel an, le demain. Et qu'est-ce que vous attendez de son discours? Nous attendons de son discours un progrès. Puisque déjà, en 2017, là, il a fait beaucoup de progrès par rapport aux innovations, par rapport à beaucoup de progrès pour le démarrage de ce pays. Donc, vu tout ce qui a été fait en 2017, ça peut nous donner de l'espoir pour le nouvel an, en 2018, puisqu'il y a d'autres projets qui verront le jour en 2018. Et nous formulons tous les vœux pour que ces projets-là de 2018 nous trouvent en vie et que la Guinée avance pour le bonheur de tous les Guinéens. Donc vraiment, on sait que dans la vie d'un homme, quand tu es au pouvoir, tu ne peux faire que ce que tu peux. Donc si Dieu t'a donné la volonté, le courage, la santé, de faire ce que tu peux faire, il faut le faire. Quand les autres aussi viendront, ils ne feront qu'augmenter ce que toi tu as fait. Donc vraiment, nous avons de l'espoir. Et nous souhaitons qu'il ait une santé de fer pour qu'il puisse remplir vraiment toutes ses attentes. Et merci. Merci, monsieur Kamara. Merci.